Alors juste avant de commencer la vidéo, je fais un petit concours. Donc pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à ma chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et mettre en commentaire la troupe que vous aimez le plus sur Clash Royale. Donc voilà pour ce concours, il y a une carte iTunes et Play Store de 15 € à gagner. N'hésitez pas à participer. C'est parti, on commence la vidéo. Go! D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ligue 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening de folie. Regardez un petit peu ça. Regardez-moi tous ces coffres. Coffre légendaire, coffre épique, coffre magique. On a presque tous les coffres. Il nous manque juste le super coffre magique et le coffre géant. On a quasiment tous les coffres. C'est ouf, hein. C'est ouf. Donc il n'y a pas de coffre super défi et il n'y a pas de coffre de tournoi. Alors pourquoi il n'y a pas de coffre super défi? Parce qu'il a pas assez de gemmes, il a gemmé le coffre magique juste pour le pack opening, donc merci à lui, excusez-moi. Bref, donc il m'a dit qu'il voulait le dragon de l'enfer, je crois. On va voir s'il l'a pas, ou s'il l'a. Mais il l'a déjà. Si peut-être il veut passer niveau 2, ouais peut-être il veut passer niveau 2. Bon, en tout cas il lui manque la tornade, je pense qu'il va l'avoir. À moins qu'il... attendez, mais si, oui il a rien légendaire, c'est bon. Donc la tornade, il manque aussi la bûche. Et le sorcier de glace. Bon, moi j'espère te débloquer les trois cartes. Après, bien sûr, on verra. Donc, c'est parti, on va commencer ce pack opening de folie. Donc, en tout cas, ton deck il a l'air pas mal. Il y a les appis mineurs, ouais, c'est intéressant hein, comme petit deck. Très intéressant. Bref, donc c'est parti, on commence par le coffre gratuit. Alors, 81 d'or, 9 squelettes, 2 chevaucheurs de cochon. C'est bizarre que t'aies pas eu la tornade. Bah après c'est peut-être parce que ouais tu l'as pas acheté. Du coup tu l'as pas eu depuis. Enfin je sais pas, bref. Deuxième coffre gratuit, c'est parti. 78 d'or, t'as bientôt 40 000 d'or. Tu pourras t'acheter une petite légendaire à la fin du pack opening. 3 mousquetaires, une carte. Et 10 petits barbardites que t'as pas monté. Bah monte les niveau 2, ce serait cool ouais. Parce que ça coûte pas cher en plus, tu peux les monter jusqu'au niveau 4 je pense là. Vu que t'en as 100. Tu pourras t'acheter le dragon d'enfer si tu veux niveau 2. Juste après pack opening, comme tu veux. Donc ensuite, on va passer à la suite. C'est parti, le coffre en or. 264 d'or. 3 esprits de feu. 9 barbares d'élite. 22 Tesla. Et pour finir, attention, attention. Ok, pas d'épique. On a 4 mousquetaires. Donc c'est quand même pas mal, hein, 4 mousquetaires, ça reste très intéressant. Donc ensuite, donc j'espère que tu vas avoir la tornade dans le coffre épique, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Donc ensuite, allez, on part sur le coffre à couronne. 536 d'or. 2 gemmes, donc ça 6 gemmes. 13 archers. 21 barbares d'élite. 34 mortiers. Et pour finir, nous avons 8 valkyries. Donc voilà, il reste les 3 grands coffres. Donc le coffre épique, j'espère que tu vas avoir dedans la tornade. Au moins une, ce serait cool, comme ça tu la débloques. Et j'espère bien sûr dans le coffre légendaire, ben, soit une des deux, ou soit une carte que tu voulais. Je sais pas si tu voulais le dragon d'enfer. Je crois que tu m'avais dit. Alors soit tu le voulais, soit tu le voulais pas. Je sais plus. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, tu l'es dans le shop. Hein. Tu pourras l'acheter. À la fin, je pense. Avec l'or du coffre magique, tu pourras l'acheter quasiment. Ouais, tu seras pas loin. Tu seras à 39 000 et des poussières, tu pourras l'acheter. Quasiment. Tu donnes un petit peu de troupes, t'attaques un petit peu, tu gemmes un petit peu les coffres. Quand il reste un petit peu de temps, et puis voilà. Bref, c'est parti. Donc le coffre épique, c'est parti. Yes! Bingo! Voilà, je t'ai dit, la tornade, t'en as eu 1 sur 2, t'en as eu, pour l'instant, t'en as eu qu'un. Il reste encore 2 cartes. Mais en tout cas, bien joué à toi, là. T'as enfin la tornade, maintenant, de débloquer. Il te manque plus que 2 cartes à débloquer. Et tu les auras quasiment... Enfin, tu les auras toutes, hein. Tu les auras toutes. Donc, c'est cool, tiens. Voilà, je te débloque ça. Ensuite, sort de rage que tu pourras passer au niveau 3. Ça, c'est cool, t'en as 3, donc, sort de rage que tu pourras passer au niveau 3. Et puis, pour finir, comme épique, nous avons... Donc là, t'auras 6 épiques. C'est parti. 6 bébés dragons que tu pourras passer également au niveau 3. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Voilà voilà. Donc t'as une nouvelle carte. Bien sûr c'est la tornade, on le sait tous. La tornade que tu peux donc maintenant utiliser. Bon, tu l'as que niveau 1 pour l'instant, donc c'est pas super, mais c'est quand même pas mal de l'avoir. Donc là il manque le sorcier de glace, la bûche. Suspense. Le suspense à son comble. C'est parti, le coffre magique, on l'ouvre. On l'ouvre. Alors, 790 d'or. Donc voilà, comme je t'avais dit, il te manque 408 d'or. Donc en gros tu fais quelques attaques, tu ouvres des coffres, tu donnes un petit peu de troupes et tu pourras t'acheter le dragon d'enfer si tu veux. Donc 790 d'or, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, une carte rare, un sorcier. Ensuite, tour de l'enfer, 2. Là il faudrait l'épique, 19 communes.
T'as 154 barbares d'élite. Ensuite, 31 petits gobelins. Ensuite, nous avons 37 squelettes. Donc là, il faudrait l'épique, sinon c'est fini. Je crois que c'est fini d'ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de rares. Et donc, c'est parti. Nous allons ouvrir la 20 dernières cartes. Ouais, il n'y a pas assez de rares. Donc voilà, 20 mousquetaires. Donc tu vas avoir des épiques juste après, je crois, me semble-t-il. Donc des mousquetaires, t'en as 20. Tu pourras passer niveau 6. Donc c'est plutôt intéressant quand même, les mousquetaires niveau 6. Et pour finir, donc une épique. Alors j'espère la tornade pour toi, ou je sais pas, une carte que tu utilises. C'est parti. L'armée de squelettes. GG. Et donc pour finir, on arrive sur le coffre légendaire. C'est parti, on va ouvrir le coffre légendaire. Alors j'espère. Donc on a plus de légendaire là dans le coffre magique. On a eu que des épiques. Donc l'armée de squelettes, j'espère que ça t'a plu. Donc ouais, tu l'utilises après. Hein. Tu l'utilises, tu vas bientôt niveau 4. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors j'espère pour toi, soit Dragon d'Enfer parce que tu me l'as demandé, je crois. Ou soit la bûche, ou le sorcier de glace. Donc c'est parti, on va ouvrir ce coffre légendaire. Suspense, attention, attention, attention. Attention, attention. Et le dragon d'enfer, alors j'espère que vraiment que tu le voulais. Mais en tout cas, voilà, t'as dragon d'enfer, c'est cool. Ah, c'est cool, en plus tu peux l'acheter en shop si tu veux pour en avoir un troisième. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Déjà, tu l'as niveau 2, c'est très très intéressant. Donc voilà, dragon d'enfer que tu pourras mettre niveau 2. Est-ce que tu l'as dans tes decks? Est-ce que tu l'as dans tes decks? Non, non. Peut-être que tu le voulais pas, j'espère que tu le voulais parce que. J'espère. Donc voilà, tu pourras passer niveau 2. Ça coûte 5000, c'est pas très cher pour une légendaire niveau 2. Donc voilà un petit peu cela. Donc j'espère que ça vous a plu, donc voilà pour ce pack opening qui est quand même pas mal, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao.